Y'a plus quoi. Bon voilà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon partenariat que vous connaissez sans doute, qui me suit depuis mes débuts sur YouTube, Hut Passion. Antoine, je te laisse parler de... Ouais, Romain, bah écoute, Hut Passion, voilà, une marque qu'on a créée il y a un an et demi de ça. Donc vous pouvez forcément nous retrouver sur Instagram, donc sur la page Hut Passion. On a également le site internet. Nous, pour l'instant, on est 100% en ligne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique www.hutpassion.com. Voilà, on a hommes, femmes, accessoires, les coques de téléphone qui sont disponibles. Voilà, vraiment, nous, on est vraiment concentrés sur le Jibedo. Hein. On est une marque 100% Jibedo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Et voilà, là, on est à H-8h à peu près avant l'ouverture en B. Donc, je pense que ça va être une belle ouverture. Pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Ça va être une belle vidéo. Il y a une belle vidéo qui se prépare demain pour l'ouverture. Sur le littoral, donc on va essayer de faire de superbes images. Antoine, malheureusement, tu ne seras pas avec moi. On a réussi à se retrouver un peu avant l'ouverture. C'est toujours, oui, la contradiction. Toi, tu vas aller en baie de Somme avec Gauthier. Donc, baie de Somme, très baie magnifique hein, également aussi. Moi, depuis que je suis gamin, je vais en baie d'Oti. Donc, je vais aller secteur baie d'Oti. L'avantage, c'est que cette année, tu vas faire aussi également des vidéos en baie d'Oti. Vous pourrez découvrir pas mal de vidéos avec moi et avec Romain, voilà, en baie d'Oti également. Mais je pense que la petite vidéo d'ouverture là, en baie de Somme, elle risque d'être pas mal. Ouais. Vous avez été beaucoup à m'en parler et à me la demander, donc j'espère qu'on en prendra plein les yeux et qu'on vous fera en prendre plein les yeux aussi sur YouTube. Je vous dis à demain pour l'ouverture. Salut. Dès 6h du matin sur le littoral Picard. Alors, allez. Prêt ? Prêt. Prêt de chez prêt. Pas beaucoup dormi, mais on va le faire. Ah, t'as vu, c'est la Hut Passion. C'est moi qui te le dis. Ouais, très bien.
C'est parti. On s'en va pour l'ouverture. On est chargé. Tout est prêt. Les blettes, tout. Donc là, on arrive où on voulait aller depuis le départ. Donc que Gauthier a sélectionné bien avant l'ouverture. Donc là, on est en route pour y aller avec tous les copains, avec tout le monde. Donc c'est parti, on y va. Je sais pas si vous entendez le bruit de la mer juste derrière moi. Ça commence à sentir bon. Il est actuellement, voilà, il est 4h30. Donc à 6h, c'est la grande ouverture. Et on arrive sur la plage. Donc je vous tiens au courant, à tout de suite. Bon, Florentin. Voilà, bah, on y est. Pas beaucoup dormi, pas énervé. On va réussir à se démerder à l'ouverture. Je le sens. Ça t'avait manqué là, se te lever comme ça pour partir à la chasse. En vrai, ça commençait à être long là. La terre chasse, c'était début salé, mais à la fin là, on commençait à vouloir reprendre le fusil puis les chiens. Donc après, il n'y a plus qu'à avoir du gibier, puis ça sera parfait. Comment ça arrivait dans l'endroit que tu avais plus ou moins sélectionné avant l'ouverture? Ouais, plus ou moins, mais là, comme la marée est encore basse, la marée est encore basse. On va se positionner, là, il y a un petit îlot pour se positionner au bout du milieu. Puis on va descendre avec la marée. On va descendre, on va creuser, on va faire des trous, jusqu'à attendre d'arriver à l'endroit exact, en espérant de voir quelques petites pieds de mer pour l'ouverture. Là, j'espère qu'on va voir quand même un peu d'autres choses que des puits de mer. On va essayer de voir un peu de canards, un peu d'autres limicoles. On sait qu'il y a pas mal de coteries d'arrivée, de barges. Donc j'espère qu'on verra au moins un oiseau voler. Quoi. On verra bien. On verra bien. Quentin, c'est parti. Voilà. Dans le sable. Franchement, voilà. C'est une expérience à faire. Hein. Toi, c'est la première fois que tu fais l'ouverture sur le DPM? Moi, pour ma part, c'est la première fois, je l'ai jamais fait. Je voyais comment à quoi ça ressemblait. Puis j'ai l'occasion de venir, j'ai pris l'occasion. Hein. Mais c'est vraiment un truc à faire dans la vie. Du coup, t'as encore jamais fait de limicole? Jamais tué une limicole de ma vie. Donc peut-être la première fois aujourd'hui. On espère la première fois aujourd'hui. On espère. Hein. On espère, on croise les doigts. C'est un bel endroit. Qu'est-ce que tu fais, Axel, là? On va se cacher dedans. On met pas le sable hier. On met devant nous pour être caché. Bon alors, Gauthier, qu'est-ce que tu fais là? Là, on va commencer à péter. Car 6 heures, c'est dans pas très longtemps. Là, on a perdu un peu de temps avec un courant qui était assez fort et un peu profond. Donc on a perdu 15 minutes, 15-20 minutes quand même. Et là je suis en train de chercher des blettes de pique. Aujourd'hui tu privilèges quoi? Aujourd'hui on va surtout privilégier les limicoles. Ça va être surtout les limicoles, on va essayer de voir. Non, il y a un peu à ce pas, il y a beaucoup de sarcelles d'arrivée. Ça c'est ce qu'on dit, mais vraiment on n'a pas pu. On va préparer la fin de nuit. Mais après, si beaucoup de chipots d'arrivée, ça par contre ça les a eu. Barge. Et puis on est arrivé, mais ça ne paraît pas tant que ça. Donc on va essayer de trouver un peu tout aujourd'hui. Et on vous tient au courant de la journée. Mec, ça avance ou pas? Ah, carrément. Ça creuse, ça creuse. Bon, mon petit Florentin. Ouais, ça creuse là.
conseil à donner à des jeunes qui commencent, par exemple, ou qui font leur première ouverture ici, ce serait quoi? Pour réussir le mieux leur ouverture. Trouver un bon coin, déjà. Savoir pipoter, avoir un maximum de blettes, des mojos pour faciliter un peu pour les filles. Avoir des connaissances qui chassent sur le littoral, car c'est assez dangereux, comme la baie. Qui savent bien tirer. On verra ça si nous on y arrive aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Beaucoup de paquets de pies passaient assez hautes et assez loin, mais après un peu de patience, une pie seule nous arrive droit dessus et fonce droit sur les formes. Go! Yeah, les gars! Super! Rapport! Rapport, pie! Bon, Gauthier, content? La première! La première 2023, les gars. Thank you.
gibier de la journée, de la matinée. Cette belle petite pie de mer qui est arrivée toute seule, tuée dans les formes. Et après, voilà, c'était une superbe action de chasse que j'ai bien filmée d'ailleurs, je suis content. Je suis assez content. Et puis voilà, cette belle, cette grosse pie de mer. Franchement, superbe oiseau. Superbe oiseau, moi qui n'étais jamais venu faire l'ouverture comme ça sur le littoral. Pour moi, voir pour la première fois, c'est un honneur. Donc non, franchement, très bel oiseau. Et voilà, on vient de changer d'endroit à l'instant. On vient de recreuser des trous, tout ça. Voilà, on va se poster. Après, on va plus bouger, par contre. Donc voilà, on espère en revoir. On en a vu, on a vu pas mal de belles volées, mais pas assez trop loin. Donc voilà, on espère en revoir. On se tient au courant pour la vidéo. Après une bonne heure et demie de calme, trois chevaliers gambettes nous surprennent en arrivant à ras du sable et en piquant eux aussi droit vers les formes. Attendez, nous on peut pas tirer. Si, gambette, gambette, go les gars, go, levez-vous. Putain, mon coup de fusil. Putain, je suis tombé à mon deuxième coup. Deuxième bête. Deuxième bête, un grand bête. Malheureusement, pas de réussite. Ma première cartouche part pas. On en fait 1 sur 3, on est content quand même. On espère en voir encore un peu. Pour le moment, on en voit beaucoup, au loin, beaucoup de pieds, des gros paquets, mais ça a du mal à venir. Ça part plus sur la baie ou plus sur la mer. Mais bon, il nous reste encore 2 heures de chasse, donc il y en a encore à voir. Là, on a changé d'endroit, là, où est-ce qu'on est à peu près là par rapport à tout à l'heure? On a changé 3 fois d'endroit, donc on bouge avec la marée. Bon, là, c'est le dernier endroit, c'est l'endroit que je voulais avec marée basse vraiment. Donc là, on est vraiment plus. Le parc du Marcantère, bah, il est en face. Donc on est vraiment là plus sur la mer que sur le littoral. Donc normalement, on devrait en voir encore. Normalement. On verra. On verra ça. On croise les doigts, on espère. On espère. Bah, on a déjà 2 bêtes. C'est déjà, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Comme on dit déjà, à une nuit de hutte, 0 ou 2. Amour. Malheureusement, plus aucune pie ne sera repassée à distance de tir, mais les regarder était aussi un joli spectacle. Malheureusement, cette volée de 4 sarcelles sera la seule et unique volée de canards de cette matinée d'ouverture. Ferons un tour et repartirons. Bon bah voilà, c'est la fin de cette ouverture sur le littoral avec Romain, Gauthier et Corentin que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça a été plaisant de la faire. C'est des super moments, de super endroits. Gauthier, t'en as pensé quoi toi, cette ouverture? Bon, on en a vu énormément quand même, c'est le principal quand même. Mais on n'a pas eu de chance sur les postes ni rien et on n'a pas eu de réussite, c'est sur quelques petits gambettes. Mais à part ça, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et puis la saison est lancée. La saison elle est lancée, puis on espère que vous ferez des plus belles vidéos la prochaine fois en faisant des capots. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était plaisant de la faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!